Margal. Margal. Tu entends ce rythme? Quoi donc, Margal? Margal. Margal. Quelqu'un m'appelle. Je ne vois personne, tu entends? Margal. Qui es-tu? Parle. Je suis ton Dieu. Dieu? Le maître de la matière et de l'antimatière. Que me veux-tu, Seigneur? Viens. Viens à la pierre noire. La pierre noire du temple du milieu. Oh, mon Dieu, tu as entendu, Sirit? Absolument rien. Alors, ça s'est passé dans ma tête. Et le roi m'a commandé d'aller à la pierre noire du temple du milieu. Et tu vas y aller? Il le faut, Sirit. C'est ridicule. Je sens qu'il le faut absolument. Ici navette spatiale Plotus, naviguant dans la troisième galaxie. J'appelle le centre de vol intergalactique. J'appelle le centre de vol intergalactique. Ici centre de surveillance intergalactique. Nous vous recevons très bien, Plotus. Nous sommes interceptés alors que nous nous dirigeons vers la planète Denev. Que faites-vous dans ce secteur? Ce n'était pas votre itinéraire. Nous avons dû nous détourner pour éviter un courant spatial. Voulez-vous de l'aide? Inutile, nous tenons l'adversaire dans notre cibloscope et à la première alerte. Plotus, j'appelle Plotus. Nous avons perdu le contact. Répondez, Plotus. J'ai l'impression qu'ils ont eu des problèmes. Alertons le quartier général. Il n'y a jamais eu d'incident dans le secteur de la planète des nefs? Jamais, colonel. C'est une planète totalement dépourvue de vie, et à ma connaissance, aucun être humain ne s'y est posé depuis que les sondes nous ont révélé son absence absolue d'atmosphère. Je me demande s'il ne faudrait pas alerter le capitaine Flamme. Pour une patrouille de routine? Il vaut mieux être prudent, Actus. Et le Cyberlab, qui est le plus rapide des vaisseaux dont nous disposons, sera sur les lieux sans perte de temps. C'est dans sa base, établie au fin fond de l'univers, que le capitaine Flamme reçut le message du grand quartier général. Chouette alors! Si c'est une patrouille, je vais pouvoir aller avec vous! Pas question. Bah, une patrouille, capitaine Flamme! Les missions les plus banales risquent quelquefois d'être très dangereuses dans l'espace. Greg, Mala, professeur Simon? Et moi? Bien sûr, Johan. Ça nous dispensera d'avoir à raconter ce que nous aurons fait lorsque nous reviendrons. Oh! Allez, on y va! Pour atteindre la troisième galaxie, il ne fallait que quelques instants au Cyberlab, qui parcourait 1500 années-lumière à la seconde. Le plus long était presque la mise à feu et le décollage. Propulsion verticale. Propulsion verticale en position. Stato-réacteur 1 à 4. Stato-réacteur prêt. Laséro-pousseur. Laséro-pousseur prêt. Mise à feu dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu. Propulseur à neutrons, accélération normale. Attention pour la mise à feu des propulseurs à protons. Prêt pour la mise à feu. 1, 2, 3, 4. Prévenez lorsque nous arriverons à la vitesse maximale. Nous y arrivons, capitaine. Barré à passer de la vitesse spatiale à la vitesse sidérale. Barré, capitaine. Vitesse sidérale. Vitesse sidérale. Branchez le pilote automatique. Pilote automatique branché. Direction confirmée. Eh bien voilà, nous n'allons pas tarder à arriver. Que pouvez-vous nous dire sur la planète Denev, professeur Simon?
totalement dépourvue de vie et d'atmosphère. Les radiations qu'elle émet en sont probablement responsables et rendent le séjour de l'homme mortel après quelques heures sur sa surface. Vaisseau sur l'écran, capitaine. Il se dirige vers nous. Il vaut mieux être prudent. Faites fonctionner le bouclier magnétique de protection. Bouclier paré. Prenez-le dans le cibloscope pour que nous soyons parés à toute éventualité. Ah, c'est bizarre. Le détecteur moléculaire indique un point d'énergie qui ne correspond pas à l'écho du radar. Vous croyez? Et s'il nous envoyait une image fictive pour nous attaquer sur le côté ou par derrière? Ça expliquerait la disparition de Plotus, qui croyait tenir son adversaire en respect. Cibloscope sur la source d'énergie. C'est fait, capitaine. Direction? Bye. Feu! Bravo, professeur, vous ne vous êtes pas trompé. Ah, nous l'avons échappé belle. Mais que peut-il y avoir de si important sur cette planète pour qu'on nous en défende l'approche avec tellement d'acharnement? C'est ce que nous n'allons pas tarder à savoir. Le Cyberlab, qui arrivait en vue de Zenef, commençait à réduire sa vitesse et, lorsque pour observer cette fameuse planète, il se mit en orbite autour d'elle, les voyageurs découvrirent un paysage désolé où tout semblait figé pour l'éternité. Regardez, près de la montagne, là-bas. Des machines. Et elles travaillent toutes seules. En effet, sans l'intervention d'aucun être humain, les machines remuaient le sol et en extrayaient un minerai noirâtre qu'un tapis roulant acheminait vers une centrale de tri. C'est certainement pour nous empêcher de découvrir l'existence de ces machines que les vaisseaux, approchant de Zenef, sont détruits. Il faut savoir ce qu'elles recueillent. Nous allons nous poser. Prends les commandes, Greg, pendant que j'enfile ma combinaison spatiale. Johan restera à bord et nous essaierons d'agir avant que l'alerte soit donnée. Car j'imagine que le vaisseau abattu a dû signaler notre présence. Quelques instants plus tard, Flamme, Mala et le professeur Simon, perdus au milieu des énormes machines, se penchaient sur le minerai qu'elles extrayaient. C'est du pralium. Un minerai qui n'existe qu'en de très rares endroits de l'univers. Qui peut bien avoir besoin de ce pralium? Le centre de contrôle des vols signale l'approche d'un groupe de vaisseaux en provenance de Berglen. Ils n'ont pas perdu de temps. Nous savons du moins que ce sont eux qui font effectuer les fouilles. Mais dans quel but? C'est une question à laquelle il faudra bien trouver une réponse. Pour l'instant, regagnons le Cyberlab. Il est inutile que l'on nous surprenne ici. Berglen est une planète du sixième système solaire de la troisième galaxie. La légende la situe au centre parfait de l'univers. Je n'ai jamais entendu dire que les Bergleniens aient été belliqueux. Au contraire, ils comptent parmi les plus pacifiques de l'univers. Qu'a-t-il bien pu se passer pour qu'il en soit à faire ouvrir le feu sur les vaisseaux qui approchent de Zenef? De toute façon, nous n'allons pas tarder à être fixés. Nous arrivons dans le sixième système solaire. Ici Capitaine Flamme. Ici Capitaine Flamme, je voudrais entrer en rapport avec Margal, guide suprême de la planète Berglen. Je répète... Je te reçois, Flamme. Que veux-tu? Nous approchons de Berglen, nous allons nous poser. Il n'en est pas question. Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé d'interdire toute impulsion étrangère sur le sol de Berglen. Voilà qui est bizarre. Cette décision ne peut s'appliquer à nous, Margal. Nous sommes chargés de mission par le grand quartier général du gouvernement intersidéral. Cette décision s'applique à tout le monde. Et si vous approchez, je me verrai dans l'obligation de vous faire repousser. C'est ce que nous allons voir. Tu penses qu'il ira jusqu'au bout et nous fera attaquer? Les événements vont nous le dire.
Une formation de 5 unités se dirige vers nous. Continue comme si de rien n'était, Krag. Au cyberlab du capitaine Flamme. Au cyberlab du capitaine Flamme. Par ordre de Margal, guide suprême de Berdren, nous donnons l'ordre de faire demi-tour. Continue, Krag. Il faut voir s'ils iront jusqu'à ouvrir le feu. Au cyberlab du capitaine Flamme. Ceci est le dernier avertissement. Si vous continuez à voler suivant la même trajectoire, nous allons ouvrir le feu. 5. 4. 3. Bouclier magnétique de protection. Bouclier paré. 1. 0. Il était temps. Canon à proton paré, capitaine. Non, Mala. Ce qu'il faut, c'est savoir ce qui se passe sur la plaine. Et ce n'est pas en engageant le combat que nous attendons. Vol en spirale, vitesse maximum. Ça ne me plaît pas beaucoup de prendre la fuite. C'est pourtant dans certains cas la meilleure façon de gagner, Franz. À 2000 cosmiques, tu prendras le vol stationnaire et nous verrons ce qu'il y a.